Re, voilà, je suis de nouveau disponible à 100% pour le stream. On m'indique que la caméra a refreeze. Putain, c'est chiant ça. Là, je me demande si c'est bon. Je vais un peu bouger mon personnage pour voir. Je regarde en même temps le stream là, voir si la caméra se remet à bouger. Non. Non, ça a pas l'air. Ah si. Si, c'est bon, je vois. J'ai compris quand est-ce qu'elle se met à friser, cette idiote. Bon, on continue. Donc là, on vient de battre le premier boss du jeu. Bah, pour le coup, je l'ai bourriné de grenades. Donc c'est aussi pour ça que j'économise beaucoup mes munitions, mes grosses munitions. C'est pour pouvoir les bourriner contre les boss vraiment très dangereux. Donc là, on se retrouve dans. Je dois prendre Chéri avec moi. Ah merde, faut que je remonte. Donc là, du coup, je me retrouve dans les égouts du commissariat. Enfin, les égouts de la ville, même plus généralement. Hop là. Je vais aller chercher la gamine pour ne pas l'abandonner seule au commissariat. En gros là, ben j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le commissariat. Enfin si, il y a deux trucs que j'ai pas fait, c'est les deux développements de photos. Ça, on s'en fout. Balader toute seule. Moi j'ai une mitraillette. Leon, je peux te protéger. Voilà. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire, wait. Il était en train de te dire d'attendre, voilà. Et moi je vais me barrer quand même. Ça se trouve, il est en train de nous dire « Attends, attends, il y a des zombies et je suis coincé dans une pièce, viens m'aider. » Et elle, à la foutre. Je me barre. Oh, attendez. J'ai un petit truc à faire. Hop. Hop là, j'ai fait ma petite pub de salope et je me barre. Voilà. On reprend. Donc là, la partie commissariat du jeu est terminée. Souvenez-vous, au début, j'avais dit qu'il y avait dans le jeu trois dossiers. Ah, tiens, il y a la tête de Sherry qui apparaît maintenant. Trois dossiers, on peut voir que j'en ai déjà rempli un et demi. Donc en gros, ben j'ai déjà fait un chapitre entier plus un petit morceau d'autre chapitre. Et encore, il manque deux documents qui sont les deux photos. Donc là, on va se balader dans les égouts de Raccoon City.
les sauvegardes rapides me font vraiment peur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux fois. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah! Celui avec le bras, quoi. C'est lui qui a infecté le chef de police et qui l'a transformé en espèce d'embryon. Et dire que moi je me fais chier. À ouvrir des portes, à faire des énigmes, mais eux, ils sont tranquilles. Oh mon dieu. Oh, vive la protection, quoi. Qu'est-ce qu'elle est lente en plus la gamine. Elle a un spray et elle est en pleine forme, heureusement. Alors qu'est-ce que je peux trouver? C'est trop loin. Ah mais attends, t'es une enfant, on est d'accord, t'as des plus petits bras avec des adultes, mais... Oh putain! Un zombie ninja qui faisait pas de bruit. Oh putain, il a l'air d'avoir des grenades là-haut. C'est trop loin, ouais d'accord, je vois le genre. Ouais, c'est pas du genre à tendre à voir. Ah, par contre, elle utilise un moyen de déplacement... original. Oh mon dieu... Ah mais attends, il se fout de ma gueule. Bah, j'espère que ça fait pas des dégâts cette connerie, parce que c'est un coup à mourir vraiment connement. La médaille du loup. Oh, oh. La gamine la plus poissarde au monde, quoi. Oh bah. Et lui, il se retrouve pile poil au bon endroit. Le monstre qui était derrière la porte où je suis il y a deux secondes s'est retrouvé au même endroit que la ptiote qui s'est fait, qui est tombée une fois dans ce trou là, plus une fois dans une trappe. Et dis donc qu'il est rapide, hein. C'est limite de la téléportation là. Alors, le virus G. Le problème c'est pas qu'ils zombifient les gens, c'est qu'ils leur permettent de se téléporter. Ou de manipuler le scénario. Salle de sauvegarde. Le responsable des égouts. Gna 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 gna. Ouais, j'ai pas envie de savoir comment fonctionnent les égouts. Je m'en fous. Il y en a un côté là dans le banc, quoi. Ouais. En général. À savoir aussi, il y a très souvent des rubans encreurs à côté des machines à écrire la première fois qu'on va à côté d'une machine à écrire. Ça arrive qu'il y ait certaines machines à écrire qui ne soient pas accompagnées de rubans encreurs, mais ça reste rare. Salle de contrôle, hop là. Je sais pas si je vais avoir besoin de trucs ici. De souvenir, la manivelle va m'être utile. Ah non, maintenant je l'ai plus. C'est la valve qui va être utile alors. Je confonds manivelle et valve. J'ai pas encore utilisé ma mitraillette quasiment. Est-ce qu'il y a des trucs dans ce sac là? Des balles.
30. C'est bon. Je vais aller les poser vu que j'utilise pas le pistolet pour l'instant. Ouais, Phoenix, ouais, je fais des petits tests pour améliorer le son de la voix. J'ai augmenté l'amplification de la capture du micro par par le logiciel de streaming. Du coup, on m'entend plus distinctement. Ah, enfin je peux utiliser la mitraillette quoi. Enfin elle est utile. Ouais. Mais si, est-ce qu'il y avait quelque chose à ramasser? Ah, des carreaux d'arbalète. Munitions dans ce grenade. Bah ça va, la question munitions, je commence à me refaire. En fait, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pas dû ramasser la mitraillette, étant donné que depuis que je l'ai, par chat, je trouve plein de trucs. Si je me souviens bien, avec le mec, on n'a pas de soucis. Surtout que le mec, il a un fusil. Et le fusil, on peut l'orienter vers le bas ou vers le haut. L'avantage c'est que quand on tire vers le bas, ça dégomme les jambes des zombies qui se trouvent à ramper. Quand on tire vers le haut et qu'ils sont assez près, ça leur explose le crâne en une fois. Ah, c'est ici. Ah oui, c'est par ici qu'elle est arrivée, la petite chevelure. Je m'appelle Claire Wakefield, je tords du cul quand je cours. Et je cours, et je tords beaucoup du cul. Je fais des roulements de fesses. Ah, attends, j'ai récupéré les trucs, je vais aller les poser. Là, je m'encombre inutilement. Les carreaux d'arbalète. Les grenades classiques. C'est tout. Jamais, mais au cas où. Avant d'aller dans cette pièce là, je vais nous fond. Ok, il y a rien. Sésame, ouvre-toi. Trop sombre pour distinguer quelque chose. Ben, on dirait un corps de ce. Oh oui, oui, c'est même sûr, c'est, ce sont des corps. Oh, des grenades incendiaires. Ils sont morts quand même, en étant aussi bien équipés. Ah ben, dis donc, les mecs, c'est pas le tout de garder les munitions, faut les utiliser. Oh, de l'araignée. Oh, elle me crache dessus. On va éviter de rester en dessous. Je
Je veux pas me faire chier à les tuer, si tant qu'elles se mettent pas en travers mon chemin. Waouh, waouh, waouh. Celle-là, elle m'attendait à la sortie. Les herbes vertes anti-empoisonnement. Les araignées font partie des monstres qui peuvent nous empoisonner. Et ça, c'est les herbes vertes illimitées. Hein. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ah, ça, c'est la mère de Cheryl, donc. Annette Birkin. What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the police station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction is none other than my own husband. Oh. Ah, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, je crois que c'est trop tard. C'est déjà reparlé d'elle. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you've finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Ça t'a gardé une dose pour lui-même. William, oh my, hold on, darling. I'm taking care of that bullet. Je m'occupe de ce monsieur. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. You'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Donc il s'est injecté volontairement le virus. Are you telling me that he injected the G virus into his own body? The G virus, has the ability to reset our cellular functions. Oh, le son qu'il est. Donc en gros, il s'est transformé en zombie énorme. Let's check it out. Over there. Avec le virus. Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Il a pris encore plus de virus. Oh le son, oh, c'est dégueulasse. Et les rats qui ont pris du virus aussi. So those rats were the carriers of the virus? Ah, c'est les rats. As a transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. But and that's not even the entire story. Every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other bodies. That's why he's... Ah, parce qu'en plus, il peut y en avoir de plus en plus comme ça. Il recherche sa fille pour ça. Il veut se reproduire avec sa fille, c'est dégueulasse. The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo. But since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent. It's an inherent survival instinct. It's Sherry. You go that way.
On sait qu'il n'y avait pas de ce côté, c'est quoi cette arnaque? Ah voilà, c'est pour ici que j'avais pris la valve, je me souvenais. Je me souvenais qu'il fallait que je l'utilise ici. Hop là. Hop, maintenant je peux passer de l'autre côté. Oh, des plantes. Oh, j'en ai. J'aurais utilisé la valve pour refaire remonter le pont. Il aurait quand même pu foutre deux ponts quoi, au lieu de mettre un système comme ça. Pas très fut. Cartouche incendiaire. Bah là, je suis bien équipé. Non, par contre, non. Je ne veux pas m'encombrer d'un ruban encreur. Ah! Je vais m'encombrer d'un ruban encre. Parce que ce serait très moche de mourir maintenant. Enfin, ce serait moche de mourir sans avoir son canapé. Ouais, bah, sixième souvenir, non? Vu que je viens de sauvegarder, je vais faire un petit test sur les chargements rapides. Ouais. Ouais. Ouais, il fonctionne. Les sauvegardes rapides fonctionnent là. Tant mieux. Ouf. J'ai qu'une place sur moi, mais au pire, je pourrais prendre la. Une bonbonne de gaz à haute pression, en cas d'urgence, la lumière rouge s'allumera et la bonbonne de gaz sera accessible. Ok. Donc, je dirais, au pire, j'utiliserai ma truc verte, ma plante verte pour faire de la place si j'en ai besoin. Oh, regardez ce qu'il y a à côté de Sherry. Un énorme crocodile. Là, il y a deux méthodes pour le tuer. Utiliser beaucoup de munitions, ou alors utiliser une bonbonne de gaz. Il va avancer. Il l'a mise dans sa bouche. Je tire. Et il explose. Et voilà, comment on se débarrasse d'un monstre qui demande énormément de balles avec une seule balle. It hurts.
Don't worry. Tu t'es fait infecter. Come on. Let's go. Du coup, on va se balader avec une gamine infectée. Autant la tuer tout de suite. Ce sera plus humain. On va ralentir un peu les pales de la ventilation pour pouvoir passer. C'est bon, fais pas ta chouchotte. Ah oui, quand on s'éloigne un peu trop d'elle, elle se met en boule. Elle qui était si indépendante. Maintenant, elle peut plus s'éloigner de 2 mètres. Journal du manager, je m'en fiche. Je vais prendre ceci pour libérer de la place. Ah, je savais que je serais amené à le faire. Comme médaille nail. Du coup, je me dis, c'est un peu débile, n'empêche, de faire 2 médailles qu'on récupère l'une derrière l'autre. Limite en couloir. Si elles sont à des endroits différents et qu'ils me demandent de faire des choses différentes, je comprends, mais là je les ai chopées l'une à la suite de l'autre, il n'y a pas grand intérêt à en avoir fait deux au lieu d'une. Oh mon dieu, elle s'est encore roulée en boule. Amène-toi. Ne fais pas du moonwalk. C'est ça de la mort. Là, je vais aller dans la salle de sauvegarde des égouts. Je vais avoir un petit élévateur à prendre. Là, on remarquera que la gamine ne m'a pas suivi. Donc, j'ai pas de plante ici.
si je t'ai donné. Je vais utiliser les deux médaillons pour couper la chute d'eau. J'espère que la gamine ne va pas se faire empoisonner comme une conne par les araignées. Je sais pas si elle peut se faire empoisonner. Amène-toi la gamine, amène-toi la gamine. On économise des munitions. C'était impossible de passer en dessous de l'eau quoi. Vous demandez pourquoi je passe par là? Parce que je cherche des trousses de soins, des herbes médicinales. De tête j'en ai laissé passer. Ah, elles sont de l'autre côté, j'ai plus la valve. Putain de chier. Bon bah, c'est pas grave. Je vais pas me taper tout le trajet. Hein. J'en ai suffisamment dans le coffre au cas où. C'est juste que là j'en ai pas sur moi. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine. Oh. Ça tape au plafond. Tu te fous de ma gueule, la gamine. Putain. Elle pose vraiment du coca là, elle. Qu'est-ce qui va se passer là? Je sais plus. Parce que j'ai soif, je me rends pas. Ok. Il y a le trajet qui se fait, il se passe rien. Ah mon dieu, il boit la bouteille. Pas grave. Je suis le seul à utiliser cette bouteille. Comment allumer ce lance-fusée? Si j'avais gardé le briquet, j'aurais peut-être... Oh non, elle s'est encore coulée en boule. Appelle-toi, petite chose. J'espère que je vais creuser un coffre dans pas longtemps pour... Je suis griffé le front. Putain, c'est pas étonnant, ça me gratouille. Oh mon dieu. En plus, elle a du recul quoi, la mitraillette. Enfin, c'est... ils sont plus en arrière.
fusil à place. Ouais. Oh bah. Avec plaisir. Je me souviens plus de cette arme. Avec un nom comme fusil à plasma, elle doit envoyer du lourd. Ah, encore des zombies. Beaucoup utilisé jusque là, mais là d'un coup là j'en ai claqué la moitié quoi. Il faut surtout pas que j'oublie de prendre le briquet que je revienne en arrière pour se lancer fusée. Ah mon dieu. Je suis à 10 mètres devant toi, quoi. Tu roules pas en boule, je t'ai pas semé. Putain, ça va, maman. Oh, il y a plein de trucs ici. C'est la fête, là. Poser ça. Fusil à plasma, je peux l'utiliser pour l'instant. En fait, je suis en train de me dire que j'aurais quand même pu laisser la mitraillette. J'ai été beaucoup en déche de balle au début, mais là ça va quand même beaucoup mieux. La gamine. D'abord, je voudrais récupérer le briquet. Où sont les cartouches des grenades basiques? Ah, elles sont là. Les grenades incendiaires. Est-ce que je fais un échange? Ouais. Je préfère me balader. Voilà. Vu le nombre astronomique que j'ai. Je vais retourner activer le lance-fusée. Avec le briquet. Ah, j'ai plus la gamine qui me suit. C'est parfait. Du casier d'armes, ok. Je vais encore pouvoir récupérer des armes, mais dis donc, je vais être gâté. C'est quoi l'arme qui me manque?
du tout. D'ailleurs, j'ai vérifié. D'ailleurs, genre, j'étais en train de parler de ça. Mais juste, ça me revient en tête. J'ai vérifié après le stream d'hier quand est-ce qu'est sorti Resident Evil. Il est sorti donc en 98 en Europe. Donc, ouais, c'est quand même un jeu qui a de 16 ans, quoi. 16 ans! Putain, 16 ans! J'avais 9 ans! Nova. Tu veux bien apprendre à compter correctement, s'il te plaît? Bah ouais, j'avais 9 ans. Attends, j'ai 25 ans. 25 ans, oui, j'avais 9 ans, putain. Je me suis foutu le doute moi-même. Je vais sauvegarder. Et vu la quantité astronomique de balles qui m'ont filé, bah je trouve ça louche. Alors en plus de mes 24 balles incendiaires, je vais aussi prendre 8 balles acides. Et du soin. Est-ce que j'ai un mélange d'herbes qui traîne? Oui. Ouais, c'est quand même un vieux jeu, quoi. J'avais 9 ans quand... Bon après, j'ai pas joué le jour de sa sortie, genre, mais... j'ai dû y jouer quoi, un ou deux ans après. Donc ouais, j'avais une dizaine d'années quand j'ai joué à ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je suis équipé, là. Mitraillette, lance-grenade et deux soins. Normalement, je suis taillé pour affronter du lourd. Et je trouve des balles de pistolet. Qui vont m'encombrer, j'en suis à peu près sûr. Ah bah non, ça va. De contrôle de la plaque, il y a une serrure. Regardez là, là. La gamine attardée. Ramène ton rentrer. Mais ça aussi c'est pareil, mais à quoi ça sert de mettre la clé un couloir plus loin, quoi? Vous foutez directement la clé, à quoi ça sert à part gagner 5 minutes de temps de jeu, même pas 2 minutes de temps de jeu, quoi. Les femmes et les enfants d'abord. Elle prend le truc au pied de la lettre. La femme et après l'enfant. Ah, c'est un train original. C'est un train qui ne va pas sur des rails, mais qui est juste sur une plateforme d'ascenseur. My stomach hurts. Ah bah oui, il y a ton père qui t'a mis un embryon dans le bide.
tu m'étonnes que tu morfles. On dirait qu'on me cherche des crosses à l'extérieur. Ça tombe bien, je me suis équipé pour... En cas d'urgence, la lumière rouge s'allume. Il n'est plus possible d'entrer pour un certain temps. Traduction, tu sors, mais tu vas pas pouvoir re-rentrer tant que tu n'auras pas tué le boss. J'ai compris le message. Qui a poussé et son ancienne tête a été marquée. Bon, il y a aussi des nouvelles griffes qui poussent. Oh mon dieu. Ça va. Ça vient plus pas mal de recul. Allez, je me barre. Oula, l'esquive. Ah, là je vois plus, je sais pas quoi je le vois pas. C'est qu'il n'y a pas trop de problème de rechargement, etc. Ah, comment je l'ai niqué ! Oh la lopette ! Ouais, j'ai encore, je pourrais en tuer 3 comme lui à la suite là. Pourtant, j'ai pas mis le mode de difficulté le plus facile. Du coup, en fait, la courbe de progression du jeu est vraiment dure au début et là, ça devient facile. Je croule sur les balles. Alors qu'au début, j'étais vraiment dans la mouise. Elle morfe. Il faut l'achever. Une balle dans la tête avant qu'elle ne crée un nouveau monstre. C'est vraiment du laboratoire secret bien planqué. En dessous d'un commissariat, t'as les égouts, en dessous des égouts, t'as le laboratoire secret. Claire? Oh, Claire a enlevé sa veste, elle avait chaud. Ah non, elle l'a refilée à Cheryl. Veste qui lui va parfaitement. Okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Elle te protégera, c'est qu'une veste. Thank you, Claire. Even though... I'm an only child. Neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Oh mon dieu. Je fais de la philosophie. Parce qu'elle va bientôt mourir, si elle déballe tout maintenant. Allez, faut que je l'achève. Rest here for a bit. I'll be right back as soon as I found the antidote for you. Hop. Maintenant je peux les ramasser. Le plus marrant c'est que je crois que je me suis fait plus souvent toucher par les zombies que par les monstres, par les boss. Cartouche incendiaire me semble que c'est les plus puissantes. Donc je vais quand même les garder en réserve. Faut utiliser un peu de...
Au lieu d'utiliser les grenades acides, je vais plutôt utiliser les grenades normales. Parce que j'ai encore ma mitraillette et mes grenades normales suffiront comme arme d'appoint. Est-ce que je peux échanger l'emplacement des objets? Ah oui, je vais aussi poser des balles de pistolet. Qui ne me servent à rien tant que je n'ai pas besoin de reprendre mon pistolet. Mon pistolet, je le reprendrai quand j'aurai plus ma mitraillette. Quand elle sera vide. Petite sauvegarde? Non, il n'y a pas besoin, c'est bon. Hop, passage inutile. Plus de courant. Pas très gentil d'avoir viré le fusible. Encore un coup des zombies, ça, bien sûr. C'est leur kiff de retirer des fusibles. Porte brouillée de l'eau. Ah, je crois que je me souviens d'une autre arme qu'on va récupérer. Maintenant que je suis ici. Encore des carreaux d'arbalète. Elle regarde quelque chose. Nom d'utilisateur guest, mot de passe aucun. Ok. Ça marche. Elle a répondu de l'essence. Ah mon dieu, il faut que je retourne en arrière. Quel con. Faut que j'aille récupérer le briquet. Oh putain! C'est pas gentil d'apparaître nulle part comme ça. Eux ils sont tout nus quoi. Thank you.
regarder ça. Parce que au cas où la mitraillette, si ma mitraillette n'a plus de balles, j'utiliserai l'arbalète à la place. Et il se peut que cela arrive. Et quand même, c'est grand le champ de vision de la webcam, ça m'étonne assez. Donc je vais retourner utiliser le briquet là où il y avait un mec qui avait répandu de l'essence. Voilà. C'est tout. Non, casse-toi. Oh. Merde, il n'y avait rien d'autre à faire ici que de récupérer les grenades. Bon. Ça m'étonne, mais pourquoi pas. Bien rééquipé de la mitraillette là. S'ouvre qu'avec une carte. Bon. Un congélateur. C'est pas de la porte de PD quand même. Comment il fait le zombie, le boss pour passer à travers ça. Je veux bien qu'il soit balèze, mais quand même. Alors, une boîte de contrôle pour effectuer des expériences à très basse température. Je pourrais placer le fusible supraconducteur ici si j'avais un caisson de fusible. Mais de quoi tu parles? Caisson de fusible, ouais, quelle coïncidence. La meuf, elle parlait du truc avant même de l'avoir ramassé. Complet directement en entrant dans la salle, ça aurait été plus simple. Mais bon, ça fait gagner 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu par-ci, 2 minutes de jeu par-là.
le fusible, je dois l'utiliser sur le truc qui est au centre. Ah shit. J'ai besoin de... Au cas où je croise des zombies un peu normaux. Je garde 13 balles pour les utiliser sur eux. Mm-hmm.
souviens plus où est-ce que je vais retrouver. Dans un couloir, je crois, mais... Ah si, j'ai peut-être une idée du type de couloir. Ça, ça sent le rampant, ça. Ah. Regardez au-dessus, là. Prévoir ça à l'avance, j'aurais pas réussi. Enfin, attends, le lance-grenade, en fait, je me suis planté. C'est pas l'arbalète qu'on peut équiper avec une infinité de munitions, c'est le lance-grenade 26, quoi. Et ça prend qu'un seul emplacement pour une arme aussi puissante. Parfait. Non, toi, tu vas te faire foutre. Ah, ça fait longtemps. Il n'est pas là pour nous. Bon, ben voilà. Thank you.
forte. Ah, ta. Oh, comment je me suis fait avoir? Premier de merde. En tout cas, une salve d'arbalète suffit à tuer les zombies. Pratique. Donc j'allais dire, elle est quand même douée, quoi. La meuf, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais... elle sait comment faire un vaccin, apparemment. Elle reconnaît des outils de pharmacie. De laboratoire, même. Ok, j'ai encore de quoi tuer deux zombies à l'arbalète. Ça va. Ah, je vais trouver... Oh! Surprise! Oh bah. Attends, tu te fous de ma gueule, I've just prepared a sample of the G-virus. And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, Sherry won't. What? William. Oh, il est pas mort. Ah, il a une paire de bras en plus. You're alive. Ah bah, par contre, là, franchement, ça me fait chier d'engager la baston. Parce que je suis seco sur munitions. Pour un boss. Oh, ah, bien fait pour ta gueule. William is still alive. Ah bah oui, on a vu ça. Stronger with each skin he casts off. Sherry, tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Tout être humain infecté par le virus G se reproduit via la fécondation d'un embryon au sein d'une autre entité vivante. Sauf au cas de rejet, le fœtus effectue un envahissement progressif des cellules de l'hôte. À un niveau moléculaire, son ADN est complètement modifié. Une fois le processus de transformation terminé, l'être infecté peut à son tour poursuivre ses principes de reproduction. Le temps d'incubation varie en fonction des sujets infectés. Pendant la première phase de transformation cellulaire, il est possible de stopper l'évolution de la maladie en administrant au patient un vaccin contenant de l'antigène G. Vous trouverez ci-après les indications, les détails de la fabrication. Ouais, blablabla. Save my daughter and tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her I love her. Sure. Annette. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Déjà? Ah, ça va, j'ai pas encore le temps. Barre-toi. Thank you.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah. Leon, we made it. Claire, is that you? Where are you? I can see you on the monitor. But never mind that right now. Leon, you have to go back and get Sherry for me. I left her in the security office. Please, you must save her. Wait a second. What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Ah, je voulais sauvegarder aussi, tiens, je pense. Fait-il donc ça? Pourquoi prend-il qu'une herbe rouge? C'est idiot, les herbes rouges, on ne peut pas les utiliser tout seul. Ouais, une herbe rouge toute seule est inutile. Ah, je me souviens. Je me souviens. J'étais en train de me dire, mais je vais où là, au fait? Ici, il y avait une salle que je pouvais pas ouvrir parce que j'avais pas la carte magnétique.
Ah, puis il y avait ça aussi. Alors ça, c'est une porte spéciale, la porte qu'on voit là. C'est une porte qu'on peut ouvrir qu'une fois qu'on a fait le show avec les deux personnages. Deux membres minimum. En fait, avec le truc Guess, l'ordinateur, je me suis enregistré en gros dans la base du laboratoire en tant qu'utilisateur. Et il en faut deux des utilisateurs. Donc là, je le fais avec elle. Dans la deuxième partie, je le ferai avec le mec. Comme ça, avec les deux accès, bah, je pourrais ouvrir la porte. L'individu numéro 2. Et là, il faudrait que je la fasse avec le mec. Là, ça sert à rien. Voilà. Ce sera quand je ferai le New Game Plus avec Léon, je pourrai ouvrir cette porte. Et si je fais pas ça avec elle maintenant, si j'avais pas fait ça avec elle, dans le New Game Plus avec Léon, j'aurais pas pu ouvrir la porte. Hop. Je balance la carte du labo qui me plus utile. Oh, ça sent le zombal. C'est plus solide ceci. Le con, mais c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de place. Quel abruti. Mon inventaire est plein. L'actionnaire est utilisé pour produire la base de l'acceptable pour contrôleur. Ils ont d'espace, mais ils ont mis. En gros, faudrait que je revienne ici plus tard pour choper la suite du vaccin. Il y a pas un truc ici, mais je... Par là il y a la salle du projet. Là. Je vais aller poser le petit flingue qui au final ne sert à rien en fait. Avec le disque MO que j'ai récupéré dans la salle où il y avait plusieurs zombies là. Je pourrais ouvrir, pour pouvoir ouvrir une grosse porte, je pourrais ouvrir un qui n'est pas ici. J'ai la plasma, du coup je vais même pas utiliser. Oui. Alors on
classique. La fin du jeu. Encore quoi, 20 minutes, c'est la fin du jeu. Faire le boss avec ce que j'ai sur moi. C'est peut-être en point de vie, j'ai pas tapé assez large. Je vais faire des sauvegardes ici au cas où. Le vaccin n'est pas terminé. Ah merde, c'est que j'y fasse. De la porte, mais Popo, tu sais, des portes, il y a la foutre, il y a plein de portes, je sais pas comment tu parles. Non. Soit j'ai oublié un truc ici, soit j'ai oublié un truc. C'est dans la salle du haut que j'ai oublié un truc. Peut-être je le savais ça. Un petit aller-retour bonus. Ah.
du coup, c'est pas 20 minutes, c'est 25 minutes. Enfin, vu que j'ai dit ça il y a 5 minutes, ça reste 20 minutes. Oh, puis cette alarme super casse-couille. Oh mon dieu. Je suppose que tu parlais de cette porte là, Popozulu. Mais il y a rien à côté de ça. Non mais je crois savoir ce que j'ai pas fait. Mais pourtant le truc que je dois ramasser, enfin le truc que je pense que je dois ramasser, j'avais appuyé quoi. Que j'ai dit pour choquer le public. Ah, le passage sur la gauche, c'est l'endroit réfrigéré là où j'ai récupéré le fusible. Mais c'est ici là que j'ai oublié un truc. Mais là, je comprends pas. Là. J'ai posé l'objet, la lumière est déjà allumée. C'est un bug, c'est pas possible. Elle devrait vouloir ramasser cet objet là. Il brille à mort quoi. Oh mon dieu. Fallait venir ici activer le machin. Oh là là. C'est aller-retour juste pour ça. Voilà, maintenant elle veut. Maintenant je vais aller dans le laboratoire du bas. C'est parti, mon Kikitos. Waouh, 10 viewers, incroyable. 10 viewers, it's amazing. Encore 15 minutes de jeu. Before the end. Resident Evil, le jeu qu'on devrait appeler. Comment aller-retour, The Game. C'est pas les forces spéciales, elle, c'est une civile, hein, Claire. C'est pas une flic, hein. Elle fait pas partie des forces spéciales ou quoi que ce soit.
C'est la sœur d'un flic qui venait voir son frère. Vaccin, youpi, qui remplace. Qui remplace mes trucs de crochetage. D'ailleurs, elle se balade avec des trucs pour crocheter des serrures. Donc en fait, c'est une voleuse, c'est pas une flic. Je connais moi. N'empêche, le gros monstre qui se balade dans les conduits d'aération sur nos têtes. Super crédible. Alors voilà, on va creuser le boss de fin, donc je vais faire mes emplettes. Dernière sauvegarde. Bon, deux trous de soins, plein de munitions. Je me sens assez en sécurité là par contre. Le boss, je vais le rétamer. Je suis sûr, j'aurais même pas besoin d'utiliser toutes mes grenades incendiaires parce que je vais commencer avec. Ouais, elle a pas peur, elle tape à la machine. Elle écrit son histoire. À l'instant, je viens de créer un vaccin. Et je m'apprête à aller affronter le boss de fin du jeu. Ah, le fameux 5 minutes avant l'explosion. Un classique. Oh bah, y a plus qu'à attendre l'ascenseur. Oh bah. Oh bah, dis donc. Il m'en veut. Voilà. Ouch. Coup de... Alors là, il m'allume. Oh, c'est chiant ces ondes de caméra, je vois pas où il est. Ah, il est blessé. Ah, il se transforme encore. Avouez. Ouf, on l'esquive.
Voilà, lui aussi m'en a fait une. Oh le salaud, oh le salaud. Oh le... Yes. Ouh, on fait peur. Ah bah l'ascenseur qui arrive pile à ce moment là. Quelle chance incroyable. Quel sens du timing, monsieur l'ascenseur. Il est tout recroquevillé en boucle. Et il me reste encore des grenades et j'ai encore des points de vie. 2 minutes 50 avant la fin du jeu. Ah là là, à la fin j'ai bourriné. Tada! Pas installé correctement. Elle est tombée comme une. Autodestruction de la base. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Claire, what's happening? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. Sherry, you're gonna be okay. Où le son? I have to find my brother. Right. This is just the beginning. Wow, ce n'est que le début. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Ouf. Fin. Vous dites, n'empêche, dis donc que ça se termine un peu vite tout ça. Mais comment? Faut savoir, ça c'est que le scénario 1 de Claire. Après on enchaîne le jeu avec Léon pour avoir le scénario 2 qui lui va un petit peu plus loin dans la chronologie. Donc du coup là on n'a pas la fin finale quoi. Il y a plein de choses qui se sont passées dont on n'est pas au courant. Par exemple, on a remarqué que Léon il avait une blessure. On sait pas pourquoi, comment il s'est fait ça. On sait pas pourquoi l'autodestruction s'est activée non plus. Donc on va voir le classement après le générique. Hop. Je sais pas en combien de temps je l'ai terminé, je dirais peut-être moins de 4 heures. Je suis pas sûr, franchement. Je dirais aux alentours des 4 heures. Allez. J'ai entre 3h50 et 4h10. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup. Du coup, je sais pas quel classement je vais avoir. Qu'est-ce que je vais avoir? Je dirais B ou C, je sais pas. J'aimerais bien avoir un B, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a moyen de passer le générique? Non.
On est obligé de se le taper en entier. Concernant la partie 2 avec Léon, le New Game Plus, je le ferai, pas maintenant, pas en enchaînement comme ça. Peut-être demain ou après-demain. De toute façon, comme d'habitude, je préviendrai sur les forums, je sais pas. Soit sur le forum d'Eleven pour les joueurs d'Eleven, soit sur le forum de Niromancy, soit sur le Mumble. Je verrai. Je vous préviendrai quand je ferai la suite. Mais ça va pas tarder, hein. D'ici un ou deux jours maximum. Peut-être même aujourd'hui si j'ai envie, si je m'ennuie. Alors, suspense. Waouh, belle photo. Ma classe. Hey, elle a le tight gap, l'espace entre les cuisses. C'est pas bien ça. Pas très bien du tout. En tout cas, le casque. Ah, B. Hey, 3h49. Hey, en fait, j'avais dit entre 3h50 et 4h10. Ah, 3h49. Ah, oh, c'est bien. Partie gagnée, Claire. Ah, donc comme vous voyez, c'était le scénario A de Claire. Est-ce que le scénario B de Claire, c'est quand on commence avec Léon et qu'on fait la deuxième partie avec Claire. Donc là, c'était la première partie avec Claire. J'ai fait 9 sauvegardes, bon. Je crois que quand on sauvegarde aussi, selon le nombre de sauvegardes, on peut perdre du classement. Par exemple, si on finit le jeu sans sauvegarder, qu'est-ce que je veux dire? Oh god! La manette ne répond plus. Ah, j'étais plus dans le jeu, ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, quand on sauvegarde, on perd aussi du classement. Donc ça veut dire que si j'avais fait le jeu sans sauvegarder une seule fois dans le jeu, ça compte pas les sauvegardes émulateurs forcément. Ça veut dire que j'aurais probablement eu un A. Quoique dans mes souvenirs, c'était à partir de 12 sauvegardes qu'on perdait une place dans le classement. Là j'en ai fait 9. Donc là on peut voir que j'ai débloqué le scénario B avec Léon. Donc si je fais charger partie, je pourrais charger la partie avec Léon. Residence I will through. Hop. Sauf que, donc vous voyez, second scénario, il y a écrit données de Léon. Et c'est ça le truc, c'est que je peux pas la charger parce qu'il faut savoir que Resident Evil 2, il était en deux CD, donc un CD pour Léon, un CD pour Claire. Et donc là, avec l'émulateur, j'ai chargé le CD pour Claire forcément. Donc forcément, le CD pour Léon ne se charge pas. Qu'est-ce que je veux dire? Resident Evil 1, dans lequel il y avait aussi deux personnages, Chris Redfield et Jill Valentine. Dans Resident Evil 1, par contre, il n'y avait qu'un seul CD pour les deux personnages. Et Resident Evil 3, on incarne qu'un seul personnage, on n'a pas le choix. Alors je vais faire échappe. Je vais essayer de faire change CD avec l'émulateur. Tester si le truc s'est bien fait. Change disque, hein, ils ont... Merde, ça c'est Parasite F2, je suis con moi. Resident Evil 2, CD1. Bon. Je vais faire un reset. Je vais voir si le scénario 2 de Léon se lance correctement. Oui, blablabla. Capcom.
bien les sauvegardes. Normalement, avec les émulateurs, les cartes mémoire virtuelles sont partagées, j'espère. Yes. Donc là, on a bien le jeu qui se lance pour Léon. In the midst of the team, on dit que le virus se propageait dans la ville. Claire Redfield, Claire Redfield a réussi à s'enfuir hors de la ville. Along with one of the only other survivors. A young girl named Sherry. Accompagnée de la petite Sherry. However, restait plus alors qu'un survivant dans Raccoon. Ils expliquent ça de manière très bizarre quand même. Léon S. Kennedy. Parce qu'ils s'enfuient en même temps, mais à les entendre, c'est comme si Claire elle s'était barrée et qu'il restait que Léon, quoi. Non, ils se sont barrés les deux en même temps. Ils ont narré ça de manière un peu tordue. Donc, du coup, là, je laisse la petite cinématique d'intro avec Léon. Ensuite, je vais me chercher un petit truc à becter. Et puis, j'ai bien envie de reprendre en fait la partie avec Léon dans genre 20 minutes. Le temps que je mange un truc. Je me dégourdisse un peu les jambes. What have we got here? Quand même marrant, il arrive dans la ville, il n'a pas encore fait un jour, mais il a déjà l'uniforme de flic. Genre il lui a envoyé par la poste. Qu'est-ce que c'est que ce flic qui touche au corps avant que les experts soient là? What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No. What's up with that? Ce mec doit être drogué, les balles ne leur font rien. Ouais, c'est des camés, putain de hippie. Une infection de hippie, quoi. Wait, don't shoot. Hop, et là. We can't stay out here. Head to the police station. You'll be a lot safer. Thank you.
On commence à incarner Léon, qui lui est de l'autre côté du camion aux enflammes.